L'année dernière, nous étions aux environs de 450 participants. Cette année, on est à plus de 520 participants. Le nombre de sites est passé de 10 à 14, de sites d'accueil sur l'établissement. Alors en fait, il s'agit du succès en fait, de la cinquième édition, je pense. On en est à la cinquième année, l'événement commence à être connu. De plus en plus de jeunes veulent participer. Donc certains lycées qui travaillent ensemble ont été obligés un petit peu de se séparer pour pouvoir accueillir plus de monde. Divisé. Donc voilà, l'un dans l'autre, l'augmentation chaque année. Il y a deux ans, on était à 350. Certaines fois, les équipes se font d'elles-mêmes, puis parfois, c'est le matin même hein, où les équipes se constituent. Qui peut durer au début, la première heure, mais dès la deuxième heure, une fois qu'ils sont plongés dans le sujet, qu'ils sont dans l'innovation, qu'ils sont dans la recherche, l'équipe se soude et on s'aperçoit très vite que les atomes crochus, enfin, ou même les différences s'estompent et ils vont tous dans le même sens pour avancer, pour pouvoir atteindre l'objectif en fait, qu'ils sont fixés. 30 sujets seront dévoilés le jeudi 15 à 10h, voilà, dans tous les établissements en même temps. Chaque année, nous essayons d'avoir deux nouvelles problématiques locales, avec des problématiques locales qui nous concernent un petit peu sur l'île de la Réunion. Évidemment, certaines idées ont fait leur chemin sur certaines éditions précédentes et ont pu aboutir à des projets réels, c'est ce que nous espérons sur les prochaines éditions.